voir, on a vu que John a pu faire de grandes choses. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu peux juste te présenter et dire ce que t'as pensé de la... D'accord, bonsoir. Voilà, je suis la sœur et Teno vient de sortir les rêves d'avant, spécialement en gentil. Et je suis arrivée hier samedi 8 octobre 2016 avec l'équipe d'Accra. Et arrivée au programme, c'était déjà le mois d'enseignement, donc je n'ai pas trop suivi le début. Mais vraiment, de ce que je peux penser jusqu'à aujourd'hui, parce que la mission n'est pas encore terminée, c'est que vraiment les âmes sont touchées et les bébés du Seigneur sont en train de revenir à lui, vraiment. Il y a beaucoup de repentance, il y a les sorciers aussi qui abandonnent aussi la sorcellerie. Il y a eu déjà plusieurs baptêmes jusque-là, nous sommes déjà à plus de 80 personnes. Et plus encore aujourd'hui, on n'a pas encore pu faire encore le décompte depuis vendredi. Au moins déjà pour vendredi, on avait 41 personnes et il y a 42 personnes, je crois, si je me trompe, on va vérifier. Et aujourd'hui, encore, il y a eu plus de personnes que les deux premiers jours. Donc vraiment, on voit que le Seigneur est là. Je vois vraiment son amour, sa douceur, vraiment... L'avocat, celui qui vient pour réparer et non celui qui vient pour condamner son peuple. Donc c'est vraiment le temps de la restauration pour l'Église du Seigneur en Côte d'Ivoire. Voilà. Ok, bah merci.